Ce matin, le collectif ZAD87 des altermondialistes a été évacué par la police de Limoges et le terrain déblayé par une pelleteuse. À 9h, le collectif restant à proximité, une vive altercation s'est engagée entre la police et quelques-uns des militants. Alors que notre consoeur tentait d'exercer librement son métier, la violence s'est déchaînée. Madame, laissez-la filmer. 5 militants ont été embarqués. Le collectif indigné renouvelle sa détermination de continuer à lutter politiquement. C'est une occupation politique avant tout, pour exprimer notre mécontentement face à cette oligarchie qui nous dicte notre mode d'aménagement des territoires en les bétonnant pour construire leurs grands projets inutiles. Donc nous, on souhaite protéger ce bien commun, protéger aussi notre liberté de citoyen, nos droits constitutionnels, et c'est notre devoir, comme le stipule l'article 35 de la Déclaration universelle, de faire face à cette oligarchie qui finalement nous maintient dans un esclavage monétaire depuis X temps. Selon les forces de police, plusieurs agents auraient été blessés lors de cette interpellation. Une action non violente.